Si vous avez votre souvenance, c'est à la fin pratiquement du deuxième trimestre de l'année scolaire 2019-2020 que ces opérations ont commencé. Et depuis lors, un budget de 6 milliards 500 millions a été mis de manière progressive à la disposition du ministère de l'Éducation de base. Et comme il faut faire des précisions, le budget n'est pas de l'argent que nous avons en caisse. C'est une opération financière qui veut qu'on vous dise, vous pouvez faire des dépenses pour tel montant, dépenses qui sont conséquentes à des opérations de commande de matériel, de construction d'infrastructures et bien d'autres. Et l'État, à travers le ministère des Finances, paye les opérateurs qui sont préalablement sélectionnés par les organes commis à cet effet. On a les commissions de marché et bien d'autres. Ensuite, il y a des opérations de contrôle. Il ne s'agit donc pas d'un argent qu'on est venu mettre dans les caisses du ministre et qu'il gère. Non, non, non. C'est le financier de l'État qui gère tout ce que nous faisons là. Alors, depuis lors, nous avons reçu naturellement du matériel à travers toutes ces opérations. Dès la survenue de la COVID-19, et le chef de l'État avait autorisé le Premier ministre à nous donner cette nouvelle, que la plupart des manifestations que nous devions tenir, et qui étaient des manifestations, par exemple, festives, à l'instar de Jeff Fenasco, on nous avait demandé de prendre les rubriques budgétaires à y consacrer pour que nous puissions les reconvertir à la lutte contre la COVID-19. C'est depuis lors que, à la rentrée du troisième trimestre 2020, nous avons acquis 5000 masques, 5543 seaux à robinet, 3953 cartons de savon. Ça, c'est quand on démarrait. On n'avait pas encore un budget dédié à la COVID-19. Ensuite, lorsqu'il a fallu faire la rentrée du troisième trimestre, après la coupure chronologique qui avait été observée par nous tous, on allait directement aux examens après 5 semaines de cours. Nous avons reçu pour les examens du CEP et du Face Living Certificate, nous avons reçu les masques 410 881, puis 10 000 masques pour les encadreurs. Ça faisait un total de 420 881 masques. La troisième vague, c'est la dotation que nous avons utilisée à la rentrée du premier trimestre de l'année en cours, 2020-2021. Nous avons eu 985 320 masques. Nous avons eu 1200 seaux à robinet. Nous avons eu 827 cartons de savon. Ce que je dis là ne compte pas avec tout ce que la coopération internationale nous donne. Nous parlons de ce qui est issu du budget propre du ministère de l'Éducation de base. Actuellement, donc, ce que nous venons de recevoir, c'est la quatrième vague. C'est globalement ce donc qui est là pour la rentrée du deuxième trimestre 2020-2021. Elle comporte 401 005 masques, 650 cartons de savon, 1000 seaux à robinet et 30 ventilateurs à produits. C'est une dotation partielle, juste partielle, parce que d'autres opérateurs viendront ajouter leurs produits
à ceux déjà livrés par Stepware, dont la représentante vient de prendre la parole tout à l'heure. Si nous pouvons donc synthétiser tout ce que nous avons déjà dépensé avec notre budget pour la COVID 2019, nous avons déjà dépensé ou acquis 1 842 206 masques, 7643 seaux à robinet, 5430 cartons de savon et 30 ventilateurs de produits divers. Alors, je voudrais finir cette en termes de communication, parce qu'il y aura d'autres, pour dire que lorsque le chef de l'État a décidé de donner un budget spécifique pour les opérations de lutte contre le Covid-19, le Covid-19 c'est le virus, la Covid-19 c'est la pandémie, pour faire la différence entre les deux. Alors, des budgets ont été élaborés avec l'aide de nos partenaires au développement. Et une opération spéciale de vérification de l'effectivité de la réalisation de ces budgets a été mise en place. Elle est basée au ministère des Finances d'abord, au ministère en charge du contrôle supérieur de l'État et également à la Cour des comptes. Il ne faudrait pas que, quand on aime les opérations sensationnelles, les gens aillent dans les journaux, à la presse. On voit les débats à la télé, parfois les élus du peuple s'en mêlent, parler des dotations qu'on a données et qui sont déjà détournées. Non, je voudrais quand même qu'il y ait un peu de retenue. Et nous en parlons parce que le ministère de l'Éducation de base a fait l'objet de quelques médites sur Internet ou sur certains journaux. Non, l'argent que nous avons eu ici, nous n'avons absolument jamais vu un seul billet. Nous avons vu les dotations budgétaires et après leur annonce par le premier ministre du gouvernement, voici la toute première vraie opération qui est faite. Les opérations qui sont passées étaient des opérations d'urgence que nous avons effectué avec le budget d'investissement public à très faible dotation. Pour l'instant, donc, les contrôles ne pouvaient pas venir se faire sans qu'on ait eu le moindre argent. C'est pour ça que quand on parle, nous, on peut dormir tranquille.